Parlons à présent du, des, des volets prévention et guérison, docteur. Mmh. Comment prévenir la conjonctivite quand tu es avec une personne qui fait la maladie Comment faire toi pour l'éviter mmh. Est-ce que c'est possible de l'éviter si elle n'est pas contagieuse et puis même si elle est contagieuse, mmh. comment faire Quelles sont les attitudes à avoir justement pour ne pas mmh. euh, contact, contracter cette maladie Quand elle n'est pas contagieuse, pour l'éviter, il faut juste éviter l'allergène. L'allergène c'est l'agent qui est responsable d'une réaction allergique. Mm. Donc, chacun se connaît, on essaie de voir en fonction de comment on a réagi, quand on, était, quand on a mangé tel aliment ou quand on a été en contact avec telle substance, si on a eu une réaction inhabituelle de l'organisme, on sait si on est allergique ou pas. D'accord. Voilà, donc si on connaît son allergène, mm. on l'évite. Pour ne pas avoir de conjonctivite allergique. C'est-à-dire quoi? On ne touche pas la personne? Non, ou bien on peut la toucher et se laver les mains par non, la suite? Ça, c'est dans le cas des conjonctivites allergiques. Les conjonctivites allergiques, c'est, les allergènes, c'est pas vraiment des personnes, c'est soit la poussière, soit les poils, les, les poils des animaux. animaux voilà, c'est un peu ça qu'on essaie d'éviter. Il y a même des aliments aussi qui peuvent provoquer de, par exemple, les noix, les crustacés, ça peut provoquer des réactions allergiques, même au niveau des yeux. Voilà, donc il faut éviter ça, ça c'est le premier volet. Si c'est une conjonctivite infectieuse, donc dans le cas où quelqu'un a, a la conjonctivite et qu'elle peut nous transmettre ça, une conjonctivite virale, bactérienne et autres, il faut surtout se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Ça, c'est dans mm -hmm. presque toutes les maladies, il faut le faire. Mm -hmm. on, on évite de... La personne, déjà, même qui a la conjonctivite, doit éviter de se frotter les yeux parce que souvent, c'est un seul œil qui est atteint. Et quand on se frotte les yeux à cause du, du prurite, l'autre est contaminé. Donc, en se frottant les yeux, on prend les sécrétions, on peut déposer la main sur une table, on contamine la table parce qu'il y a des virus qui peuvent rester sur wow. les surfaces pendant peut-être un mois. Ils sont là, des surfaces inertes comme ça. Donc, si quelqu'un d'autre vient toucher encore la table et que la personne porte la main, aux yeux, ah, c'est pas être... évident, imaginer voilà. des personnes de la même famille, elles sont ensemble donc c'est clair que c'est pour ça que c'est très contagieux. Mm -hmm. Mais on essaie, on peut éviter, on peut essayer d'éviter une bonne on... hygiène de vie, hygiène des mains surtout, mm -hmm. ne pas se porter euh, porter les mains au, au visage, ne pas le faire. Avoir les mains propres, le visage propre. Bon, c'est comme ça qu'on peut essayer et puis avoir des des instruments, bon, je vais dire, des objets de toilette personnels. Comme les gants, les serviettes, tout ah, ça. Parce qu'il y en a qui utilisent une serviette pour tout le monde dans mm -hmm. la famille. Pas, ça ne doit pas se faire. C'est comme ça qu'on peut éviter si chacun a son objet de toilette. D'accord. Docteur, concernant les produits qu'on mm -hmm. donne, c'est-à-dire tu vas à la pharmacie, mm -hmm. tu dis que tu as mal aux yeux, on te donne des colis. Est-ce qu'il y a différents types de colis pour différents types de, de conjonctivite Parce que ce que moi bon, j'ai remarqué, mm -hmm. euh, tu peux partir à l'hôpital, on va te donner un médicament. Le lendemain, quand tu viens, tu dis Mon enfant fait ce même type de réaction, on te donne un autre médicament. Après, tu te demandes Mais bon, c'est juste un médicament pour tout le monde ou bien euh, chaque médicament a sa spécificité Et puis, si oui, lesquels exactement D'accord. Chaque médicament a sa spécificité. On, euh, chaque type de conjonctivite oui. a un traitement aussi particulier. Dans le cas d'une conjonctivite allergique, on ne donne pas forcément un antibiotique. L'antibiotique, c'est pour les conjonctivites bactériennes. Mais on peut donner aussi, c'est, des antibiotiques en colire. Donc, on, on met dans les yeux. Mmh. On peut donner aussi, dans le cas d'une conjonctivite allergique, par exemple. En premier, en première intention, ce qu'on donne, c'est, d'abord, il faut faire un lavage oculaire, laver les yeux. Il y a des substances qui sont, euh, des sérums physiologiques qui sont, euh, destiné à ça, il faut laver les yeux, il faut estiller des collires euh, anti On a des anti mastocytaires, on a des anti tout ça en collire. On a des corticoïdes locaux, tout ça, c'est en collire aussi. Ça, 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 peut être pour les conjonctivites allergiques. Dans le cas des conjonctivites bactériennes, bactériennes. Mmh. on a des antibiotiques en collire on a des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation quand l'œil est tout rouge quand l'œil euh, la paupière est enflée quand la conjonctive est enflée tout ça il faut un collier anti-inflammatoire donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens en collyre on a des anti-inflammatoires stéroïdiens les corticoïdes qui peuvent être donnés ou pas dans certaines conjonctivites infectieuses et on a des des lames artificielles qu'on peut en toujours. D'accord. On peut prescrire. Donc, en Do fonction de chaque type. Docteur, toujours parlant de prévention, est-ce que si tu es avec une personne qui fait déjà la maladie, mm -hmm. toi, pour te prévenir de cette maladie, est-ce que tu peux déjà euh, te mettre des gouttes dans les yeux pour dire que oui, moi, je sais que je, je commence déjà un traitement préventif, donc je n'aurai pas la maladie Est-ce que c'est faisable Non, non. Ça marche oui. dans le cadre des vaccins. Parce que la rougeole, dans la rougeole, on a une conjonctivite. Dans la maladie à coronavirus, on a une conjonctivite. On peut avoir une conjonctivite, pas dans 100% des cas, mais on peut avoir une conjonctivite. Donc, si on est vacciné contre la rougeole, on ne va pas faire la rougeole ou on ne fera pas une forme grave de la rougeole. Donc, on n'aura pas de conjonctivite liée à la rougeole. Donc, conjonctivite virale euh, due à la rougeole, au virus de la rougeole. On n'aura pas ça. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut faire une prévention avec les vaccins s'il y a des pathologies qui ont des vaccins. Si on a, on a une bactérie qui. une conjonctivite bactérienne, par exemple, dans la maison, si quelqu'un a ça, ce qu'on peut faire, c'est. on attend juste de commencer les signes. Wow. Ce qu'on fait, c'est ouais. juste l'hygiène des mains éviter de toucher les toutes les surfaces Et puis, de son tour. voilà dès qu'on a mais dès qu'on a le premier signe <laughs> ça peut être un prurit ça peut être une rougeur dans les yeux ça peut être euh, un larmoiement ça peut être des sécrétions qui sont purulentes d'aspect jaune verdâtre il faut en même temps se rendre dans un centre de santé c'est ça on peut pas aller parce directement à la pharmacie à la pharmacie c'est pas très conseillé parce que il faut des examens plus un examen Clinique, en fait, un examen physique du malade. Donc, il faut qu'on regarde le malade et il y a des appareils qu'on retrouve dans, des, dans le service d'ophtalmologie qu'on ne retrouve pas à la pharmacie. Et c'est ça et qui permet de faire. À voilà. Merci beaucoup, docteur, de préciser cela. Nous sommes en train de finir. Est-ce est qu'il y a des conjonctivites sévères qui pourraient éventuellement conduire à la mort ou bien à l'aveuglement? Est-ce est que ça existe? Ça existe. Les conjonctivites sévères, c'est si, si le, les symptômes sont exacerbés l'œil peut le dème de la paupière par exemple peut être vraiment volumineux, mmh. l'œil peut être vraiment rouge, on peut avoir des hémorragies sous-conjonctivales et tout, si les symptômes sont exacerbés, on peut parler de conjonctivite sévère et il y a aussi le cas où la conjonctivite peut se compliquer d'une kératite. C'est une inflammation de la cornée. La cornée c'est la couche claire qui est en avant du noir de l'œil, l'iris. Oui, voilà. Donc si cette partie est, est atteinte. atteinte. On a un tableau de kératoconjonctivite. Ça, ça peut entraîner une photophobie, c'est-à-dire que la personne a une gêne en regardant la lumière ou une douleur qui est provoquée en regardant la lumière. Euh, la personne peut avoir une baisse de son acuité visuelle. Voilà, donc la personne ne verra pas bien de loin le plus souvent. Et on peut... Cette kératite-là, c'est-à-dire l'inflammation de la cornée, peut évoluer vers un ulcère même de la cornée donc une plaie plus wow. profonde et puis entraîner la cécité. Donc que faut-il négliger hein? Voilà. D'accord. Docteur nous, nous avons fini, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter comme dernier mot Bon, je dirais pour terminer que la conjonctivite c'est une pathologie qui a un diagnostic aisé. C'est facile de reconnaître une conjonctivite et le traitement existe. Donc dès l'apparition des premiers signes, il faut se rendre dans un centre de santé ou chez un ophtalmologue pour que le diagnostic soit posé et que le traitement adapté soit proposé. Les premiers signes, je reviens, on a une rougeur oculaire, on a un prurit, on a prurit oculaire, démangeaison au niveau des yeux, on a des sécrétions au niveau des yeux. Qui peuvent être purulentes, les cils sont collés le matin, on a des, des... un larmoiement, on a la paupière qui est eudémaciée, on peut avoir la conjonctivite aussi qui est enflée, la conjonctive, oui. pardon, qui, qui est enflée. Est enflée. Tout ça, dès l'apparition de ces signes-là, il faut se rendre dans un centre de santé chez un ophtalmologue. Rapidement. Voilà. Et si on s'en va, on sera pris en, pris en charge, on suit le traitement. On en guérit parce que mais ça, la, la maladie, c'est une maladie qui ne qui ne dure pas dans le temps hein. si tu as bien suivi. André voilà. Il y a des conjonctivites chroniques, mais on, si on est bien traité, ça, ça peut. Passe. Voilà. Je voudrais ajouter aussi qu'il ne faut pas pratiquer l'automédication. D'accord. Il faut éviter de rester à la maison et de mettre des colliers non pharmaceutiques parce que mmh. ça peut retarder la guérison, ça peut aggraver la maladie, entraîner les complications qui vont évoluer vers la cécité. Voilà. D'accord. Mais on peut aussi éviter la conjonctivite par les moyens dont on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur Ehoumon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le docteur Ivan Ehoumon, ophtalmologue, était avec nous pour parler de conjonctivite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur info.ci L'information continue. À bientôt.